Acheteuse phare de l'émission Affaires conclues, Caroline Marjorie Don se confie sans réserve dans son nouveau livre baptisé Libre, paru le 4 novembre 2021 aux éditions Plon. Elle se livre ainsi sur son parcours et son enfance, notamment au sujet d'une agression dont elle aurait été victime en boîte de nuit, alors qu'elle n'avait que 11 ans. Une anecdote qu'elle détaille ce lundi 15 novembre auprès du site belge Télépro. À 11 ans, je faisais un M70 et je semblais avoir 25 ans, explique-t-elle d'abord pour justifier sa présence en discothèque à un si jeune âge. Je me suis vieilli pendant très longtemps, je sortais dans les boîtes de nuit. Elle se souvient également d'une amie du nom d'Arlette qui l'accompagnait dans ses sorties. Le soir de son agression, Caroline Marjorie Don a pu compter sur son soutien indéfectible. Je me suis fait suivre par une femme, elle s'est jetée sur moi. Arlette l'a prise, elle a mis sa tête dans la cuvette des toilettes et elle a tiré la chasse d'eau. L'acheteuse en a tiré une leçon importante, je ne marche jamais seul dans la rue. Caroline Marjorie Don est en couple CST également en pleine promotion de son ouvrage qu'elle a choisi de s'étaler sur un autre pan de sa vie, ses amours. Mère de deux enfants nés d'une précédente relation, elle partage le quotidien d'un homme dont elle tait le nom. Un amour improbable d'après Jordan Deluxe puisque Caroline Marjorie Don pensait d'abord que son compagnon était homosexuel. Mais si est-il pour ça que je lui ai filé mon 06. Jamais je ne donne mon 06 à un hétéro, a-t-elle confié au présentateur de l'Instant Deluxe. Et d'ajouter, en fait, je me demande si je n'aille pas trouver mon pendant en homme. Et là ça devient compliqué. Parce que se retrouver face à un miroir, ça devient compliqué. Là pour le coup, si est-il une thérapie. Enfin je ne pense pas que je sois quand même comme lui, je n'espère pas. Mais, il se protège, il est très protecteur et je suis très protectrice. Loading DJ.